Hey, salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce que, en tout cas, moi ça nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de ce let's play sur Inazuma Eleven Striker. Et on va résumer vite fait les deux live bonus qu'on a fait. Alors, du coup, on a fait quelques matchs pour s'entraîner. On a réussi à débloquer Légende Suprême, une nouvelle technique pour nous. Et on a recruté quelques joueurs, je vais vite fait vous montrer la team, à quoi elle ressemble actuellement. Voilà la team actuelle, on a du Xavier en attaque, on a du Axel qui a Brasier Absolu maintenant. Est-ce que ça va suffire contre les Inazuma Girls? Parce qu'apparemment aujourd'hui on m'a dit qu'on allait affronter les Inazuma Girls. Du coup ça va être très très chaud d'affronter voilà les Inazuma Girls, qui est une équipe très très forte. Apparemment c'est une des meilleures du jeu. Ça va être compliqué. Alors les Inazuma Girls. Ah, le dernier match. Ok, on a donc deux matchs à faire avant. Ok, bon bah let's go alors. Alors on va rester comme ça. Par contre, pourquoi on affronte la Royal Academy? J'aimerais le savoir. Vous savez pourquoi? C'est aléatoire. Oh, j'ai eu tellement de chance alors. On va la rouler dessus. On n'a pas le droit de perdre ce match. Oh, on peut peut-être faire une petite légende suprême pour commencer. Allez, légende suprême. Je vais vous montrer ça pour ceux qui n'étaient pas là sur le live bonus. Voici légende suprême. King va faire la connaissance de légende suprême. Le pauvre. Voilà, il peut pas l'arrêter, c'est pas possible, c'est impossible qu'il l'arrête. Allez, c'est parti, tac. Oula, attention, David Sanford qui perd la balle face à son coéquipier Jude. Non, c'est pas toi, gros. Il est sérieux, lui. Non, tire pas. Tire pas, Byron. Byron, on est une équipe, on tire pas comme ça. Oulala, oulala, attention, ils sont énervés là. Allez, ça l'arrête. Moi, je dis ça l'arrête. Mark Evans, t'es chaud. Quoi? Ça passe? Ça passe? Mais Mark, putain, mais t'es resté coincé dans Inazuma Eleven 2, c'est pas possible. T'as pas évolué depuis. Vas-y, c'est quoi, frénésie, mon saoulé. Allez, à qui a une technique? Allez, Xavier! Oh non! Ce vieux mec là avec sa vieille coupe de cheveux là! Il est sérieux? Mais j'ai l'impression qu'ils sont en mode difficile là, c'est pas possible. Allez, une petite légende suprême. Une petite légende suprême V2. Axel? Mais non! Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti, légende suprême! Si tu perds contre Inazuma Girl, tu dois tout recommencer. Wouah, ça va être super chaud! Allez, ça rentre. Ok, 2-1. Attends, on tombe contre la pire équipe et on fait que 2-1, c'est sérieux? Tac par derrière! Non! Non, il va faire une technique triangle de la mort. Oh non. Pour l'instant, on n'a pas perdu en compétition. On a déjà fait des matchs nuls remportés en prolongue. Mais on n'a pas perdu. Non, mais c'est pas possible. Il arrête aucun tir. Moi, je dis relance. Ah, en touche. Forcément. À chaque fois que je fais un dégagement, il la met en touche. C'est quoi cette précision? Quand je lui ferai sa fiche de présentation, je lui mettrai 1 en précision. Byron. Bon, c'est pas grave. Ça dégage devant. C'était prévu. Nathan, il est rapide hein, sur le jeu, je crois. Normalement, il devrait. Ouais, il est rapide. Il est rapide. Ça va. Mais il se fatigue vite, mais il est rapide. Ah oui, toutes les équipes de la phase 4 sont en mode difficile. Ah mais les gars, mais ça va être super dur. Je comprends mieux pourquoi je galère là. Putain, cette voix. Allez, cette fois-ci je me suis pas raté, je la fais à bout portant. Normalement, allez, frappe stellaire. Yes, ça passe, 3-2, 3-2 les gars. Change de marque. Alors on a marque d'Inazuma Eleven 3, on peut pas avoir un marque plus puissant. Bon allez, c'est reparti. Oh, il marque, la vie de ma mère. Mais ils sont trop chauds. Putain, c'est quoi ces scores? On va mettre du 6-6 à la fin du match. Bon allez, ça passe, c'était sûr. Partout. Ah, oh, putain, Martin. Comment les gens ont fait pour t'aimer, sérieux? Repasse pour Bachelancer. Oh, y a pas faute là, putain. Allez, Giulio, Giulio. Allez, ça passe, Giulio. 4-3. Alors, il faut savoir qu'en cette équipe, on a 3 stars. On a en number 1 Xavi Foster, en number 2 Giulio et en number 3 Paolo. C'est les 3 stars de l'équipe. Toi, tu dégages. J'aime pas quand t'as la balle. Oh non, ça passe. Vas-y, mais c'est quoi ce score qu'il va y avoir? Allez, Marc, arrête un tir dans ta vie. Putain, pendant tout le let's play, Marc, il se sera fait victimiser. Oh! Oh, bah pardon, monsieur. Il faut dire ça pour que tu arrêtes un tir, putain. Oh, il m'a fait un rodéo là. Il m'a fait un demi-tour. Vas-y, là, il marque, je pense. Allez, Marc, tu l'arrêtes. Si tu l'arrêtes, tu deviens un peu un boss. Ah bah tant pis, tu seras pas un boss. Ok, 6-4, ça ne ressemble plus à rien. C'est score en mode difficile, mais what? Centre au second poteau, Pavard. J'aurais tellement kiffé. 7-3, c'est vraiment n'importe quoi. Les goals, c'est des passoires hein. Voilà. Il mesure 1m50, s'il te plaît. C'est un U12. Bon, victoire de Orfeo, 8-4. S'il y a trop de buteurs, il y a même plus de place. Attends, 0 minute, genre il a marqué vraiment l'engagement, David. 0 minute, il a marqué ce bâtard. Alors, les gars, n'hésitez pas à me dire comment avoir main Oméga. Je pense qu'on va tenter de l'avoir. Quoi? Prépare ton équipe. Mettre en pause et revenir au local. Mais bien sûr, il est fou, lui. Marc et Canon, mais c'est Marc du 1. Oh, et Canon. Ok, bon, bah, let's go. Hein. Je pense qu'on va le faire parce que ça dépend contre quelle équipe on tombe après. On peut pas voir, d'accord. Bah, merci. Alors, je crois qu'on va refaire notre entraînement préféré. Faster.
Alors, on va remettre marque du 3 et on va essayer de pas perdre un seul match parce que si on perd, on recommence tout, si j'ai bien compris. Et puis après, pour le prochain match, on aura main Omega. Oh, la Luce Academy cette fois-ci. Oh là, ça va être beaucoup plus dur parce que leur gardien va être énervé, mais on a Légende Suprême quand même. On perd la balle dès les premières minutes, ça commence très très bien. Pas de faute, on fait pas de faute, hein. On le laisse tirer, voilà. Ça sert à rien, sinon on va se prendre un pénalty encore. Technique niveau 2. Technique niveau 2. Technique niveau 3 pour nous, hein. On pose pas de questions. Allez, passe. Tire. Bon, on sait jamais, ça le fatigue. Ou alors c'est totalement inutile. Vous avez vu la rapidité d'exécution des mouvements là? Allez, Légende Suprême. Axel AB en frappe maintenant. Normalement, ça pourrait passer. Ça passe. Bien joué, garçon. Allez, je retente le second poteau pavard. Second poteau pavard. Non, dommage. Non. Ah, il mettait hors jeu, attention. Allez, Marc, tu peux l'arrêter. Ça l'arrête, ça l'arrête. Bien joué, Marc. 3 Légendes Suprêmes, c'est notre technique signature maintenant. Wow, tir bloqué. Bloqué. Attends, il vient de bloquer notre tir. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et ça passe, voilà. Trop puissant pour vous, ce technique. Allez, Jude, Légende Suprême. Ce technique, les gars, qu'est-ce que je l'aime. Bon, allez, yes, ça passe. 3-0. Légende Suprême, la valeur sûre. Hein. Axel à l'autre technique ultra puissante. Ouais, il a brasé absolu. D'ailleurs, j'ai envie de le tester pour voir. Dès qu'il pourra tirer, on fera brasier absolu. Il va tirer de là, ce con? Sérieux? Oh, frappe cosmique. Tu peux marquer sans technique? Ouais, c'est possible. Je vous dis, je crois que j'ai mis le plus beau but de ma vie sur Striker. C'était sur le dernier live bonus. Je mettrai ça dans la rediff parce que c'est le plus beau but que j'ai mis. Hein. Sans technique, et j'ai mis un petit pont au goal. Mais c'était incroyable. Ah, vraiment. Axel, peut-être en profondeur. Je suis choqué. Le gardien, il s'est baissé. Il a cru qu'il allait avoir la balle et oh petit pont. Cette violence entre les jambes. Cette violence. Axel ne respecte rien. C'est le but le plus violent que j'ai mis sur Striker. Avec Axel impressionnant. Ah oui, c'était Axel qui l'avait mis. Bon bah Axel va est en train de remonter dans mon top 3 des meilleurs joueurs, hein. Il va limite prendre la place de Giulio là. Vas-y, on mène 3-0, je vais faire des petits changements. Je vais faire entrer des joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de faire jouer. C'est quoi, on va faire, regardez ce qu'on va faire. Meilleure formation ever. Meilleure formation ever, moi je le dis. Voilà. Vous la connaissez, la fameuse Superstar N5. Alors, Paolo va rentrer en attaque à la place de Byron. Voilà. Équipe de gros bourrin. Je crois qu'on peut le dire. Là, c'est la formation attaque totale sur FIFA, tu sais. Paolo, peut-être marqué. Oh, j'ai cru. Allez, Axel, si tu pouvais faire ton petit brasier absolu. Allez, Axel, qu'est-ce que tu fous? Putain, il met 3 ans. Bim, contrôle. Oh, t'es nul. Claqué au sol. Axel. Oh, j'ai cru qu'il allait nous refaire son but. Mais à chaque fois qu'il va arrêter un tir, Canon il va parler ou ça se passe comment? Oh non, ils vont marquer les chiens. Ouais, ils vont marquer ces bâtards. Oh, il arrête. Bon, mais c'est quoi? Balle en touche. Balle les couilles. Oh non, merde, j'aurais dû faire. Je suis trop con, j'aurais dû faire ça avant. Aïe 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 aïe. Faut pas qu'il tire. Dégage. Vas-y, la merde, tu dégages. Non, ils essayent, tu vois, de sauver l'honneur. Et on va pas les laisser faire, tu vois. Déjà, on va sortir. Non, on va pas sortir la balle en touche. J'ai envie de marquer avec Xavier. Ah merde, y'a elle. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû sortir la balle en touche. Je vais regretter peut-être. Allez, Marc, tu peux l'arrêter. Voilà, là, je sors la balle en touche. Hein. But. Merde. Voilà, elle est trop gourmand. Voilà, on se prend les buts. Bon, c'est pas grave. On fait rentrer Hector. On va tester un peu Hector aussi. Après, j'ai mis une formation de bourrin aussi. Hein. La défense, on connaît plus trop là. Allez, Hector, montre-leur. C'est qui le papa en fait? Fait quelle frappe terrible avec la voix du présentateur. Il fait comment déjà? Il fait en mode quelle frappe terrible! Bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs. Non, mais je vous jure, il a une voix, mais c'est légendaire. Allez, on a gagné contre la US Academy. Il nous reste encore un match. Ça va être tendu. Oulala, oulala, oulala. Le dernier match, les amis, ça va être chaud. Ok, entraînement. On va entraîner Canon et le petit Mark Evans. Mais tire, putain, on va toujours être nul toute notre vie sur cet exercice, c'est pas possible. Et viens me prendre mes ballons, ce bâtard. Bah tiens, je te prends les tiens, enculé. Putain, mais arrêtez de rebondir, là. Donc, on peut pas taper un ballon qui rebondit, c'est quoi ce délire? Très bien. T'as Nelly qui nous redit très bien, décidément. On va jamais le battre, hein. Je crois qu'on le battra jamais. Putain, il a raté, c'est ma chance. C'est ma chance. Yes, en fait, faut que je lui vole ses ballons, en fait. Putain, 13-13. C'est trop serré. Non. Non, par pitié. Non. Mais c'est pas possible. Je gagnerai jamais. Il te faut des lunettes. Putain. Putain, je m'en fous, je veux le battre. Ah, je m'en fous. Aujourd'hui. Merde, je me trompe de bouton. Bon, ça y est. Non, il va tirer dans deux à la fois.
putain. Mais va en face de la balle. Putain comment il s'est TP. Oh il s'est TP, je vous jure il s'est TP. Oh putain tous les ballons qu'il y a. Non, il va les avoir. Gros chien va. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Moi c'est fini, j'ai perdu. Encore une fois. Je vous jure c'est pas possible. Je vais regarder vite fait les liens mais... Même Mitroglou et Germain, du pied gauche, je crois qu'il serait meilleur. 80. Allez, allez, on peut avoir mon Oméga. On peut avoir mon Oméga. Putain, mais... Mais d'où? Oui. 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 Enfin. Enfin, on le bat. Première fois de ma vie, oh. Les gars, pour vous, c'est peut-être rien. Mais c'est dans ces moments-là qu'on se sent... Qu'on se sent bien, tu vois. Vas-y, on le refait encore 2-3 fois. Et puis après, basta. Hein. Je le fais plus jamais de ma vie. C'est pas possible. Il va me traumatiser, cet entraînement. Allez, yes. La main Oméga les amis. Enfin, le travail paye. Bon allez, on se casse d'ici. Le cas du club. Alors on va mettre du coup la technique. Je sais pas si on peut lui mettre ici mais il me semble que non. Donc je vais lui mettre dans paramètres équipe. Allez, à la place de main dimensionnelle, main Oméga. Parfait. Normalement c'est plus puissant. Va falloir se concentrer là. Dernier match de la phase 4 contre les Inazuma Girl. Si tout se passe bien. Allez c'est parti les gars, c'est parti. Vous l'attendiez ce match, vous l'attendiez. Et on va le vivre ensemble. Prépare ton équipe. Bah mon équipe je pense que ça va être ça hein. Alors là je pense qu'on a une équipe de boss. De gros tarés même. On part là dessus. Oh terrain de Raymond. Alors là j'ai hâte de voir y'a qui en face. Je sens qu'on va rigoler. Sans pitié, même ces défis sans pitié hein. On tac par derrière, on les fait tomber par terre, on leur marche dessus. Oh la musique. Tellement stylé. Oh la musique elle est trop stylée. Bon bah c'est parti pour le match d'anthologie. Sûrement le plus dur de ce let's play, c'est parti. Allez on commence avec des passes tranquillou. Tranquillou. No stress. L'important, ne pas perdre la balle. Pourquoi tu rigoles, y'a quoi de drôle là? Oh il le dit en plus les Inazuma Girls. Elle tire. C'est qui toi? T'es qui en fait? Oh là là, Mark Evans. Y'a Nelly en face, vous avez vu? Fais gaffe à Nelly, elle a la terre. Alors elle rigole pas hein. Allez, prends-toi des ballons dans la gueule. Ça te fait du bien. Allez, faut que ça passe. Ça passe. Allez, allez Xavier. Il est top 1 dans mon classement des meilleurs joueurs pour l'instant. Est-ce qu'il va le rester? Allez, Sylvia au goal. Oh, main de l'infini, ok. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre que c'est Sylvia qui le dise. Elle l'arrête. Bravo. Ah, elle tire de là, mais elles font que tirer en fait, elles spam. T'inquiète, t'inquiète, ça va venir. Le premier but va venir. Non, faut savoir patienter, c'est tout. Allez, on tire, m'en fous. Faut la fatiguer, hein. Faut la fatiguer. Ok, elle l'arrête. Je crois que moi, l'infini, va falloir y aller pour passer. Hein. Mais non, pourquoi tu t'écartes? T'as peur de la balle ou quoi? Allez, légende suprême, s'il vous plaît. Allez, légende suprême. Est-ce que ça peut passer? Allez, on y croit. Peut-être le premier but. C'est quoi cette gardienne? C'est Sylvia, moi non plus, j'ai pas compris. Allez, faut que ça passe, s'il vous plaît. Main céleste. Non, point de la... What? Point de la justice? Dans la gueule. Dans la gueule, les amis. Ça passe, yes. 1-0. Je vous jure, là, c'est le match de ma vie. Hein. Bon, là, j'ai deux solutions, soit stalker, soit continuer. Mais je pense qu'on va continuer les tirs. Peu importe d'où on tire. Voilà, on continue de tirer, on tire. On la fatigue. Oh, blocage, des blocages. Hein. Tourne un adversaire sur une flamme stellaire. J'imagine pas l'état de son pied après ça. Hein. Là, c'est triple entorse plus fracture du tibia. Hein. Oh, attention à Nelly. Ouh là là, on m'a dit de me méfier d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Tire de la rose. V2, attention, s'entraîner. Point de la colère, allez, je pense que ça passe. Level 2, je pense que j'utilise le level 2. Level 3, j'utilise le level 3. Ok, on va faire ça. Je pense que notre logique, ça va être ça pour la suite. Après, on m'a expliqué certaines fois, les goals, ils perdent pas de PT, mais j'arrive pas à distinguer quand. C'est un peu problématique. Mais. Ma chanson, elle vient de se faire bouger par une gamine. S'il te plaît. Allez, y'a qui peut tirer? Y'a Jude avec Axel. Allez, c'est notre seule chance de marquer en vrai. Allez. Faut que ça passe. Allez, 2-0 ou pas? Ah, l'arrête, bordel. D'où l'infini, c'est plus puissant que le point de la justice. Bon, on a la possession quand même. On les laisse pas trop toucher la balle. C'est l'essentiel, mais elles tirent quand même de loin. Par contre, elles sont super fortes. Tu sais, elles ont jamais touché un ballon de leur vie. Elles sont super fortes, vraiment. Bon, bah, l'équipe là, elle est bien en fait. C'est la meilleure équipe qu'on peut avoir. Hein. Bon, allez, match lancer. Ah, ça aurait été magnifique que ça passe. Dommage. Sylvia, alias la casseuse de rêve. Je croyais que vous aviez rejoint cette équipe parce que vous adorez jouer au football et je me trompe. Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule! Mais d'où tu fais des transversales, toi? D'où t'as appris ça? Allez, Sean. On la fatigue encore. On va la fatigue. On la fatigue. On force le passage. Elle l'a arrêté. Wow.
Mais quoi? On est sur quelle planète, bon sang? Tu l'arrêtes, s'il te plaît. Bien, bien joué, putain, j'ai tellement peur qu'il marque. Accès à une technique, c'est parfait. Jude aussi. On a notre frénésie, je pense à partir directement sur une petite légende suprême. Ou un petit brasier absolu. Non, j'ai raté le brasier absolu. C'est pas possible d'être aussi nul. Allez, brasier absolu. Deuxième chance. Les gars, j'ai eu de la chance là. Allez. Faut que ça passe. Main de l'infini, ça peut-être passer. Allez. On y croit. Putain, mais même ça passe pas à bout portant. Non. 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 Oui, pas pénalty, forcément. Oh, il y avait une putain de faute dans la surface. Oui, mais la technique est limitée en fait. Regarde ça, là encore tout s'est pété, mais c'est une grosse blague. Axel, viens là. Viens là, mon petit. Ah, merde. C'est tendu, hein. On est loin du 8-4, hein. Je vais tenter une légende suprême pour tenter de marquer, parce que sinon, je crois que j'en arrivera jamais. Non, mais t'es qui? T'es caméléon, t'as jamais vu. D'où t'as une technique? Non. Voilà, tacle. Oh, gros tacle. Allez, c'est bon. Ça dégage. Dégagé. Okay. Il est parti, putain. Allez. Oh, ce football. Attention. Oh, ce football de qualité. Bien joué, Marc. On perd du temps. Voilà. C'est pas très joli, mais on s'en bat les steaks. Hein. Seule la victoire compte. On tire. On perd du temps. Voilà. On perd du temps. Non. Pas une technique à 3. Hein. S'il vous plaît, tout, mais pas ça. Bien joué, Sean. Allez. Non, tu dégages, Nelly. On perd du temps, je m'en bats les couilles. Vraiment. On est des gros chiens. Voilà. Les gros chiens. C'est pas possible d'être des bâtards à ce moment-là. Allez, siffle. Siffle. Y'a pas d'arrêt de jeu, on s'en fout. Siffle, putain. Je vous jure, j'ai jamais aussi bien joué. J'ai jamais aussi bien joué sur Striker. Yes, les gars. On vient de battre les meufs, là. Qu'ils ont joué une fois dans leur vie au football. Et qui sont super cheatés. Vraiment, c'était super chaud. Alors vraiment, elles étaient fortes. Hein. J'ai dû vraiment m'appliquer à fond, les gars. Merci pour les GG. J'ai dû vraiment tryhard et m'appliquer à mort. Donc du coup, on vient de finir la phase 4 ici. Avec Jude en buteur. Bravo, Jude. L'excellence. L'excellence a un nom. Le voici. Ok, on a eu un trophée en argent. C'était pas trop mal, même si on a fini la phase 4. Yes, on vient d'ajouter encore un trophée dans notre collection. Nouvelle technique. Oh, putain. La richesse. Nouvelle technique pour Sean et pour Nathan. Ouragan, Nathan et Sean, cool. Oh, Arian Sherwin, j'aime le football. Ricardo, je pleure à chaque fois qu'il y a un match. Et Victor Blade, je défonce tout le monde, sans pitié. Et Gabriel Garça, on sait pas si c'est un garçon ou une meuf. Et Jean-Pierre Lapin, le Pikachu de Wish. Bon allez les gars, on vient de débloquer tous les joueurs d'Azuma Eleven Go. Ça fait plaisir quand même. Alors là, on va recruter. On va se faire plaisir les amis. On va dépenser tous nos points. On va dépenser tous nos points. On va se faire plaisir, on va acheter un maillot, le maillot Orphée. Et on va tout claquer dans les joueurs. Eric, allez, ça part sur du Eric. Alors là, il y a tous les joueurs de gauche, je vais tous les acheter, je pense. Enfin, peut-être pas tous tout de suite. Mais au moins les trois là. Alors, j'avais dit depuis longtemps que je voulais acheter Gazelle et Torche. On va les acheter. Alors, Robingo, on va le recruter. Ça fait un moment qu'il y en a qui me disent de le recruter. Malice. Alors là, c'est pour peut-être avoir le choc des ténèbres, ça serait intéressant. Alors là, on va recruter peut-être deux joueurs encore. On va recruter Edgar Partinus. Excellent joueur du mondial. Kruger c'est intéressant en vrai pour avoir une technique combinée avec Eric. Donc pourquoi pas Kruger. Ah ok. Bon pourquoi on va regarder maintenant vite fait les maillots. Pour avoir le maillot de la best équipe. Je suis désolé. Ils sont où? Ils sont là. Yes. Alors on va se faire plaisir, on va changer notre équipe. Alors il y a des joueurs qui vont partir. Notamment Sahel et Destra. Je suis désolé, ils ont D en frappe, c'est pas possible. Non, je sais qui on va mettre. On va mettre Torche et Gazelle pour avoir un tir exceptionnel. Pour avoir le tir avec Byron, les gars, ça vous tente ou pas? Les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vient de finir la phase 4, mais on n'a pas encore fini le jeu parce qu'on va faire des défis dessus. On va se faire plaisir sur le jeu. On fera peut-être d'autres matchs cachés, secrets, je sais pas. Peut-être des matchs en multijoueur si cela me le permet. Donc voilà les amis, j'espère que cela vous aura plu. C'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.